Alors, qui vous envoie? C'est pas Lalo? Qui? Oh, oh, mon Dieu! Oh, 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 non, 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 c'est pas moi, c'est Ignacio, c'était lui! Oh non, oh non, 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 non! Ay, siempre soy amigo, siempre soy amigo del cartel! Tu la fermes! On parle pas espagnol! Alors, qui vous envoie? C'est pas Lalo? Qui? Oh, oh, mon Dieu! Oh, merci! Oh, j'ai cru que... Qu'est-ce que je peux faire pour vous, messieurs? N'importe quoi, dites-le-moi, qu'est-ce que vous voulez? Cet après-midi, un de nos associés vous a offert 10 000 dollars. Vous auriez dû accepter. Non, attendez, c'est en rapport avec... comment il s'appelle? Badger! Brandon Mayhew! Son oncle, c'est votre associé, hein? Non, je veux pas vous vexer, mais j'accepte pas d'argent des inconnus, moi. Prudence et mère de sûreté, c'est ma devise. Mais je prendrai le vôtre, bien sûr. Non, cette offre a expiré, trop tard. Oh, c'était pas généreux, de toute façon, mais d'accord, je le prendrai. Dites-moi ce que vous voulez, c'est tout, ce sera plus facile. Je vais rester positif et me dire que c'est juste une tactique de négociation. Ouais. Écoutez-moi très attentivement. Vous allez donner à Badger Mayhew la meilleure défense et la meilleure représentation oui, qui soit. Oui. Mais pas d'entente avec les stupes. C'est clair, Badger ne doit identifier personne pour personne. Et si jamais il le fait, vous êtes mort. Pourquoi vous tuez pas Badger? Non, c'est vrai, parce que si un moustique bourdonne autour de vous et vous pique la fesse, vous allez pas vous en prendre à son avocat. Vous prenez un anti-moustique, une bombe, je sais pas. Je veux pas vous manquer de respect, mais ça me paraît quand même évident, non? Pas question de tuer Badger, Saul! Alors vous avez un vrai problème, les gars, parce que les stupes vont tomber sur votre copain et je vous promets qu'ils le lâcheront pas. Je suis pas cartomancien, mais il y a une chose que je sais, c'est qu'il va pas aimer la prison. Il va chanter comme Céline Dion, quoi que vous puissiez me faire à moi. Monsieur Mayhew? Oui, 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 j'ai reconnu votre tour. Enlevez votre masque, vous avez besoin d'un peu d'air. Allez-y. Ah, merde! Calmez-vous, ça va. Respirez. Respirez à fond. Bon, je vais me lever maintenant parce que j'ai mal aux genoux. Ah, ça va mieux. Maintenant, écoutez-moi, tous les trois, on va arranger les choses. Ah ouais? Et comment? Pour commencer, vous allez mettre un dollar dans ma poche, chacun de vous. Vous voulez le secret professionnel entre nous, pour que tout ce que vous me direz reste strictement confidentiel? Sérieusement, mettez un dollar dans ma poche pour que ça devienne officiel. Allez-y, faites-le! Oui, c'est ça. Juste un dollar. Allez! Et vous aussi, le passe-montagne, ok? Donnez-moi un dollar. Vas-y. Donnez-le-moi! Quoi? J'ai qu'un billet de 5. Alors donnez-moi 5! Mettez-le dans ma poche! Voilà. Ok, vous êtes maintenant officiellement représenté par Saul Goodman et ses associés. Tout ce que vous me direz restera confidentiel ou je serai rayé du barreau, d'accord? Enlevez votre masque, j'ai l'impression que je parle à un braqueur de banque. Vas-y. Non. Fais-le. Bon, si j'ai bien compris, un règlement de compte est totalement inimaginable. Vous êtes sûr de ça? On le touche pas! Ok, très bien. Tel que je vois les choses, quelqu'un doit aller en prison. Mais qui? C'est ça la bonne question.